Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Sauve-nous que te chantons. Chant de joie. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple, le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, ressuscité entre les morts, sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauvez-nous qui te chantons. Alléluia. Oh.
Psaume 33. Le Christ s'est levé, alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ s'est levé, alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'il écoute les humbles, qu'il jubile. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il est l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles il les dégage. Goûtez. Craignez Dieu, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Le riche est dénué et affamé, qui cherche Dieu, ne manque d'aucun bien. Veuillez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix, poursuis-la. Si tu es les méchants, la face du Seigneur, ôtez de la terre leur mémoire. Ô les justes, les yeux du Seigneur, il crie, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses il est délivre. Des cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expira. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expira point. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nous. Pour les siècles, Amen. Le Christ s'est levé, alléluia. Il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 80. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob.
Ouvrez le concert tambourin, frappez la douce harpe et la lyre. Sonnez du cor au mot à nouveau, au jour de pleine lune notre fête. C'est la lune noire pour Israël, et l'ordonnance du Dieu de Jacob. Un témoignage qui mit en Joseph, quand il sortit contre la terre d'Égypte. J'entends une langue inconnue, du fardeau j'ai déchargé son épaule. Tes mains ont lâché le couffin, dans l'oppression tu as crié, je t'ai sauvé. Je t'ai pourri caché dans l'orage, je t'ai trouvé au son de discorde. Écoute mon peuple, je t'avertis, ô Israël, si tu pouvais m'écouter. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu d'emprunt, n'adore pas d'un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne s'est pas rendu à moi. Je l'ai laissé à leur terre endurci, ils marchaient ne suivant que leur conseil. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait d'Israël. En un instant j'abattrai ses adversaires, et contre ses oppresseurs tournerai ma main. Les ennemis du Seigneur l'adulerait, et le temps serait à jamais révolu. Je l'aurai nourri de la faim, rassasié avec le miel du rocher. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu lui as fourni un pain tout préparé, un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service, ce temps pour le châtiment des impies, et ce détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles.
siècles des siècles. Amen. Psaume 97. Enfin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Enfin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur fait connaître son salut aux yeux des païens, révélé sa justice. Salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez-vous le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez le roi Seigneur. Gronde la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Du livre de vie de Jérusalem, au chapitre Moines et Moniales. Toi donc, reconnais cet état d'exil qui te fait, parce que voyageur et étranger sur la terre, aspirer à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Sache te situer d'emblée au dernier jour de ta vie et à la lumière de ce regard, éclaire ton existence quotidienne comme si ce jour était ton dernier jour. C'est pour cela que les moines ont toujours aimé méditer sur la mort et les fins dernières. Pour vivre un ciel anticipé, n'attends pas ta mort pour mourir. Oubliant le chemin parcouru, bois droit de l'avant, tendu de tout ton être, et cours vers le but en vue du prix que Dieu t'appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. C'est là que le Seigneur t'a préparé, au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire. On ne peut parvenir à ce terme qu'au prix d'une véritable mort à soi-même. Pour être mystique, la vie monastique reste donc fondamentalement une vie ascétique. Ta première ascèse est dans le renoncement. Il n'est pas possible d'être disciple du Christ sans cela. Plus encore que la vocation apostolique, la vocation monastique t'appelle à un renoncement sans hésitation et sans partage.
Le vrai moine est celui qui accepte de tout quitter, tout de suite et pour toujours, afin de sauver sa vie en la perdant pour Dieu. Tu ne peux être tout au monde qui vient sans avoir tout quitté du monde qui passe. Tu ne peux servir deux maîtres à la fois. La mesure de ton attachement à Dieu sera celle de ton détachement du monde. De la mesure dont tu mesureras, Dieu mesurera pour toi. Ne mesure donc pas tes renoncements et tu goûteras la joie d'un amour sans mesure. Tu seras l'allégresse du centuple, promis à ceux qui ont tout quitté en cette vie déjà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Il ressuscite la force de salut
avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur.
Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.